Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Expeditions Rome, où on est bloqué sur une mission de merde. Putain, cette mission, c'est de la chiasse. Il y a des pièges là, il y a des pièges là, qu'on ne voit pas, évidemment. Eux, ils peuvent utiliser 15 objets, ils ont du faim, ils ont tout, et vous, vous avez rien. Voilà, c'est aussi simple que ça, ils sont 30 000, vous, vous êtes 6, voilà, c'est combattre des Gaulois, super. C'est de la merde. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, en fait, mon Triarius, il doit faire... mes gars, ils doivent faire ça pour aller taper lui, mais ils peuvent pas aller le taper. Et lui, il va se rendre invisible et donc nous casser les couilles. Ça, il faut le savoir. Bref. Et là, il y a un piège aussi ici. Le piège est là. Enfin, c'est chiant, c'est de la merde. C'est chiant et c'est de la merde. Ça, il faut le savoir. Et je peux pas taguer une case, hein. Je peux pas dire là tu vas pas là. Regardez, je fais clic droit, je ne peux pas lui dire tu ne vas pas là. Je suis bien obligé de le faire à la main, case par case, pour être sûr qu'il n'y aille pas. Donc là je dois faire la même chose avec mon princep, voilà, lui dire d'aller là, lui dire d'aller là. Et là, voilà, là il va tout droit. Et donc normalement c'est bon. Là même s'il devient invisible, au moins il pourra pas s'enfuir. Ça sera bon. Ok. Lui normalement il meurt en un coup. Ok, tu te barres s'il te plaît. Essaye déjà. Hein. Là évidemment, tous les mecs sont laissés à un PV. Hein. C'est une marque de fabrique hein, que je ne veux pas évidemment. Mais bon, je n'y peux rien. Ça. Alors, toi tu vas là. Alors, est-ce que de là tu le vois ou pas? Normalement oui. Hein. Je veux dire là... je me dis non, j'ai le droit de dire qu'il m'arnaque un petit peu. Voilà, au moins il va saigner ce petit con. Alors là, il faut savoir que là, on peut passer. Hein. Et là, il y a un piège, mais qui ne se déclenche que quand c'est nous. C'est important à dire. Quand c'est l'ordinateur, lui, il peut courir dessus, il n'y a pas de souci. Là, ils ont des torches, ils ont tout ce qu'ils veulent. Hein. Et vu que tu peux pas partir, je vois pas trop quoi ça. Ah si, mais on pourra même pas le taper, c'est ça que t'es en train de me dire? On pourra jamais le frapper? Come on, show yourselves, I dare you. Ah, si je peux jamais le frapper, ça va être chiant. Les saignements, évidemment. Ils ont tout. Hein. Vous devez... en fait, vous devez, en gros... Et ça c'est un truc que j'aime pas dans les jeux tactiques de la vibe actuelle. C'est que vous devez deviner à l'avance comment vont être équipés vos ennemis. Voilà. Vous devinez si vous devez prendre des bolas, si vous devez prendre du gaz, si vous devez prendre de la poix, si vous devez prendre du feu. Voilà, là je prends cher dans ma mère, par exemple. Alors, ici, est-ce que je peux décider de taper cette case? Je sais qu'il est là, est-ce que je peux décider? Non, je n'ai pas le droit de décider de taper une case. Ça c'est très bien, ça j'adore! Donc l'archer là est invincible. Il ne pourra pas mourir. Ça j'aime bien. Là. Parce que de toute façon, voilà, là on a marché sur l'archer. Hein. Je tiens quand même à le dire. Try to avoid this happening again. Voilà. Et je ne peux pas taper là, je dois me mettre là évidemment pour taper. Pourquoi? On ne saura jamais. Là je sais qu'il est là. Hein. J'ai pas le droit de jouer comme ça. Le piège à la con! Sérieux, je sais qu'il est là en plus, bordel! Le pire, c'est que je sais qu'il est là, hein, le piège. Ça, c'est pareil, ça, je suis obligé de me les prendre.
Donc, et qui je décide de me les prendre? Telle est la question. Et que je laisse, hein, si je veux pas ça. Et c'est vrai qu'il y a un piège là aussi. Je l'avais dit en plus. Il est estropié. Moi? Moi je suis estropié, mais pourquoi? Pas m'estropié là, c'est un caillou quoi. Toi. Alors d'ici, est-ce que tu as quelqu'un? En fait, c'est une mission chiante celle-là. Ok. Elle est pas dure, elle est chiante. Tu peux acheter ton caillou? Dommage. Ah, il reste 2 PV. C'est qui lui? Ah, c'est l'archer qui était là, il s'est barré là-bas. D'accord, intéressant. Bon, là, il a chié son truc. Mais personne fait ça! Personne fait ça normalement, putain, mais même l'ordi il joue pas de façon loyale quoi. Personne suicide ses troupes quoi. Que moi qui le fais. Ça va tellement vite, je ne vois rien, je ne vois strictement rien, ça part dans tous les sens. Au niveau de la caméra, je ne vois pas qui fait quoi, donc ouais bon. Vas-y. Donc cette mission, c'est de la merde. Et on est obligé de la faire. Donc, on va la recharger, on va changer notre équipe. Parce que l'équipe ne va pas, je pense. Allez, on y retourne. Cette mission, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment, vraiment de la merde. Alors. Ça, hein. C'est tellement de la merde cette mission, sérieusement quoi. Oh, elle est juste impossible quoi. Dites-moi que cette mission c'est pas de la merde, sérieusement. Osez me dire ça quoi. Bien, c'est que vous ne pouvez pas taper hein, quand vous allez sur lui. Là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je vais le mettre là, comme ça, là, il pourra pas fuir. Là, il sera obligé de rester là. Comme un sac à merde. Voilà, vas-y. Là, comment tu vas faire? On est d'accord que là, il peut pas tirer ni rien. Okay. Toi, t'as un truc à 2 hexagones? Non. Un truc pour lui bien lui niquer son armure et ça c'est cool et de l'empoisonner, ça c'est bien. Lui il empoisonne tout le monde, je sais pas pourquoi. Hop là, on va se barrer là-bas. Et tu vas faire une belle interruption là. Voilà, donc là il a tapé, donc tu peux rien faire. Ah.
Ils peuvent relever leurs hommes aussi. Hein. Ils sont tellement chiants. Les Gaulois, ils sont chiants. Là, ils vont m'empêcher de bouger. Je peux jouer aussi Oh ! Ils sont chiants ! Évidemment, il va envoyer son mec à bouclier. En premier ! J'ai le droit de flèche, hein. On remarque que le mec avec le bâton, il lui a pas tiré dessus. Pardon. J'ai le droit de flèche, hein, normalement. La deuxième flèche, elle est partie où ? J'ai le droit à deux flèches, bordel ! Ça devait lui faire un petit peu plus de PV que ça, normalement, mais bon, c'est pas très très grave. Hein. Un ennemi qui survit. C'est pas si grave que ça. Voilà, évidemment, il va lui rester un PV. Ça, c'est comme d'habitude. Bon. Medicate. Here, that should feel better. Voilà, alors, toi tu meurs. Voilà. Comme ça, toi tu meurs aussi. Comme ça, toi t'en prends plein la gueule. Voilà. Comme ça, si tu veux aller sauver ton pote, tu meurs. Comme une merde. Voilà, c'est tout. Et assez. Allez. Oui. Non, flèche normale sur lui. En fait. Pourquoi je me ferais chier ? Toi, tu brûles et toi, tu vas t'éloigner du feu, s'il te plaît. Voilà. Et vous, vous pouvez y aller ? Ah non, toi tu peux pas y aller, mais toi tu peux y aller. Être tout seul de l'autre côté, c'est un petit peu une idée de la merde, je pense. Alors, toi. Alors, par contre, ici, là, on est d'accord que tout le monde peut y aller. Alors. Attends, toi déjà, tu vas sauter. Toi, tu vas sauter là-bas. Alors, porter deux hexagones. Tu peux le taper lui, tu peux taper lui, tu peux taper lui, tu peux taper lui. Tu vas me désembraser cet homme, s'il te plaît. I need aid soon, lest I perish. Try to avoid this happening again. Ça c'est fait. Alors toi, par contre, il faudrait que tu ailles par là, sans courir sur les pics. Hein. On est d'accord, hein? Merci. Ah bah. Bonjour. That'll teach you. Voilà. Bonjour. Ok. Voilà. Où est son archer? Voilà, ça me fait du bien. Roule cet archer là, s'il te plaît. Voilà, ça me fait du bien. Ok, toi tu vas te mettre là comme ça, ils pourront pas passer. Il va se ressusciter là. Il est chiant avec ça. Hein. Ah d'accord, on peut taper comme ça à travers les... Ah bah c'est intéressant.
Ah, on peut sauter là comme ça aussi. D'accord, c'est intéressant. Encore aurait-il fallu que je le sachiasse. Bordel de merde. Il y a des trucs qui sont pas corrects. L'ordinateur n'est pas correct avec nous. Je trouve. Bon, ils l'ont jamais fait ça. Hein. Voilà. L'ordinateur n'est pas correct avec nous. Évidemment, un PV, tout ça, on est au courant. Voilà. Bousille son armure, voilà. Ah, c'est pas correct ça, c'est pas correct. L'ordinateur, normalement, il a pas le droit de trop tricher, hein, mais là, il triche un petit peu quand même, je trouve. Alors, bon. Elle, elle meurt. Heureusement que vous voyez pas que je suis en train de me taper la tête. Bordel de merde. Donc là, moi, je ne peux pas bouger, hein, évidemment. Donc, bah, vas-y. Enjoy. C'est bon, elle crève, là. Merci. Alors, bah, lui, ça va être pareil, hein. Lui, bon, bah, enjoy, hein. Enjoy de rien pouvoir faire. Voilà. Cette mission, c'est vraiment de la merde. Lui va mourir. Hein. Spoiler alerte, lui est mort. Hein. Je vais pas le sauver. Hein. Et j'arriverai pas à tous les tuer en moins de 4 tours. Hein. Et lui est toujours pas mort. Ah si, quand même. Allez-y. Bon, normalement, Kaezo a 50% de chance de supprimer un effet. Hein. Ah, je croyais qu'elle me tirait dessus, j'allais dire quoi. Tellement chiant. Cette mission est chiante. Affaibli. J'aime pas cette mission. Cette mission, c'est de la merde. Alors, ici, 11 dégâts, ça c'est bien. Pourquoi seulement 1 PV là? Ça va aller, oui, mes gars ils font plus que 1 PV, ça y est. Bref, connard. Alors, attends. Je peux pas me soigner, moi, on est d'accord. Mais c'est vrai que j'ai ça. Si je fais ça, je ne peux pas me soigner. Hein. Non. Mais je peux soigner lui. Tiens, soigne-lui. I require help. There you go. Be careful next time. Fais ça, toi. 56% de chance. Très bien. Que...
sauvage, on s'en fout. Chaque fois, j'oublie d'activer ça. Hein. C'est fou. Hein. Surtout pour pas prendre d'attaque d'opportunité. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est que lui, maintenant, on peut se replanquer. Voilà. Qui a pas joué? Lui. Lui, il va faire ça. Comme ça, elle, quand elle va sortir, elle va s'en prendre une en pleine tronche. Évidemment, le feu s'arrête maintenant. Voilà, elle meurt. Très bien. Ouais, tu vas mourir. Je te le confirme. Alors. Tue-le. Tue-le. Alors, là tu pars. Est-ce que si tu viens là, tu peux le taper lui, mais tu le tues pas non plus? Bah écoute, tape sur elle. Niveau archer, ils ont encore lui. Hein. Si je me mets là, ouais, bon, l'archer me verra pas ce tour-ci, mais vu qu'il peut se déplacer, il me verra forcément. Alors toi, t'es un peu dans la merde avec lui. En vrai, ah, tu pourrais la tuer elle? T'es sérieux? Vas-y. Oh oui, lui panique! Et lui panique! Yes! Go! 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 Alors là, si je fais... Allez, mais non, ça sert à rien. Alors après, je peux... Ouais, mais ça, je sais pas, ça me met de l'autre côté, c'est ça? En vrai, il faudrait faire ça. Évidemment. Mais elle saigne, donc elle meurt. Voilà. Toi, tu vas te cacher là, parce que comme ça, tu pourras pas prendre de dégâts. Et toi, c'est pareil, va te cacher. Comme ça, lui, il peut taper que lui. J'ai plus de bouclier, mais c'est pas grave. Lui, il va paniquer. Elle brûle, elle devrait peut-être mourir. Lui, il va avancer, se mettre du saignement, on pourra le repousser. Et lui va juste mourir en fait. Maintenant que j'arrive à tous les tuer. Hein. Là, saignement. Oui! Ok. Le. Okay. Alors, est-ce que tu peux... Oui, je peux aller le ranimer. Attends. Non, 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 non. Et toi, tu peux pas le relever, on est d'accord. Hein. Jamais. Hein. Sérieux, quoi? Ah, ça fait ça aussi? Sérieux, lui va mourir parce que j'ai parce qu'il y avait ces putains de trucs là alors qu'il les a vus qu'il pouvait passer sur le côté. Oh. Excusez-moi. Il pouvait passer sur le côté quoi ça. Ah bah, de toute façon il aurait dû falloir un point d'action.
ça changeait pas grand chose. Non mais lui meurt. On a perdu un soldat. Super. Et lui ne tombe pas d'ailleurs. C'est intéressant à noter. On a eu un mort. C'est pas grave. Quelle mission de merde. Sérieusement, c'est vraiment une mission de merde celle-là. En fait, le terrain est absolument pas pratique. Les pièges que tes gars voient pas, quand ils voient les pièges à pic, ils les évitent pas tout seul. Enfin. Qui court littéralement sur des pièges à pic? Sérieusement. Moi, j'y vais jamais, hein. Je sais pas vous, mais moi j'y vais pas. Hein. Bordel de merde, cette mission était à chier. Donc les Gaulois sont chiants à affronter, c'est ça, on le savait. Bon. Il nous reste plus qu'à... Bon, secteur conquis. Alors, on va aller retourner à la Légion. Vas-y, retourne à la Légion, s'il te plaît. On va s'occuper d'un peu tout. Allez. Donc c'est un Triarius qu'on a perdu. Il nous faudrait un autre Triarius, s'il vous plaît. Alors. Déjà. Qui est blessé ? Accéder. Non. Le camp. 24 heures. Ok. Au moins on récupère le matos, c'est déjà pas mal. Need something. Est-ce qu'on a un autre Triarius? Ah bah 13, c'est pas si mal que ça. Et en plus c'est un médecin. Très bien. Bah, c'est un favori. Sinon, on a quoi d'autre? Du 9, du 13, du 9. Bah écoute, ce sera toi. Hein. En tant que prétorien, voilà. Très bien. Alors, mon petit prétorien, mon nouveau, il est où? C'est toi? C'est toi. Tu remplaces un mort. Alors, tu vas être équipé pour la guerre. Voilà. Alors, regarde, regarde ce beau chapeau. Ah, mais tu peux avoir un beau chapeau comme ça? Mais oui! Tu aimes bien ce beau chapeau. Voilà. Au moins comme ça. Pas déjà mieux. C'est quoi ça, hein? Ah oui. Voilà. Ah, mais moi je trouve que juste pour ce beau chapeau, on a bien fait de perdre un mec. En deuxième arme, tu as cette lance. Très bien. Bah écoute, oui. Ouais. At your service. Ouais, ouais, ouais. À mon service. Bah oui, tout le monde est à mon service. Évidemment. Allez. Ah oui, attendez. On a des livres à apprendre. Voilà. Ok, alors en tactique, peut-être avoir les matériaux. Voilà, merci. On peut reprendre ça. On peut faire des fumigènes, ça m'intéresse pas. Des cruches. Ouais, rien de bien palpitant. Très bien. Et ici. Voir les matériaux. Un arc berbère de niveau 3. En vrai. Je connais pas la différence. Ce qui est chiant, c'est qu'on n'ait pas les capacités que ça peut avoir. Parce que là, on se dit, bah, les 3 sont pareils. Alors que non, ils n'ont pas les mêmes capacités. Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Je pense que des armes de des épées niveau 3 ce serait pas mal. On a que des gladius. Un pugio. Ouais mais ça c'est un poignard. Un chautel. Ouais vas-y si tu veux. Gladius.
Un arc berbère. Et voilà. Ce sera pas mal. La forge, toi. Prétorien manquant. Ah non, je me suis trompé. C'est là. Est-ce qu'on n'avait pas des trucs à ramasser ici, peut-être? Possiblement, peut-être. Ici, si, clairement. Morale de l'ennemi, moins 60. Ça, oui. Ça, oui. Résolution. Ça, oui. Ça, j'aime bien. Tenir et se regrouper. Taux de survie des victimes, agressivité des joueurs, légendaire et revenu. Complication, la victoire ou la mort. Mur de bouclier. Pas de reddition, jamais, jamais de reddition. Ok. Les améliorations de l'avant-poste, oui, on peut rien faire, très bien. Oui, on va revenir à la carte. On a beaucoup de blessés, ça ne me sied guère. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.